Bonjour, bonsoir. Donc, ça dépend là où vous êtes. Je viens avec une vidéo. Donc, vous voyez avec la poêle là. Donc, c'est pour les dames, quoi. Donc, même les hommes peuvent conseiller ça soit à votre copine, soit à votre dame, quoi. Donc, ça peut arriver à tout le monde. On ne sait jamais. Hein. Donc, c'est une question qui m'a été posée par une abonnée. Elle dit qu'elle a les saignements pendant les crac-crac. Bon, je pense que ce n'est pas si grave. C'est qu'on dit ici, là, on dit que ça peut être. Pendant que ton gars, quoi, que ton gars est plus costaud et que toi, tu n'es pas large, oui, disons comme ça, que tu n'es pas large et que ton gars est un peu brutal. Donc, si c'est le cas, vraiment, demande-lui d'aller vraiment doucement, doucement, doucement avec toi. Qu'il faut pas qu'il aille vraiment trop, trop loin, trop, trop loin, quoi. Il t'aime, j'espère qu'il t'aime. Quand un gars t'aime bien, il prend vraiment le temps et il prend ça avec amour. Oui. Ou bien ce n'est pas le cas. Ça peut être l'infection, que tu as eu l'infection. C'est la raison pour laquelle tu as ça. Ou bien, comme on dit, ou bien peut-être c'est les frottements, comme on dit. Voilà un peu les causes de ça. Mais sinon, ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est vraiment pas grave. Mais si ce n'est pas ce que je viens de citer là, il faut aller voir un médecin. De toutes les façons, il faut aller voir un médecin. Il n'y a pas autre solution. Pour être vraiment sûr, être bien, calme dans ton coin, ne pas avoir les soucis, que chaque fois que tu vas voir ça, parce que vraiment, nous les femmes, on n'aime pas ça, que tu es en train de faire le crack avec ton gars. Quand tu te lèves, il y a un truc qui sort. Vraiment, c'est moi comme ça, là, par exemple, c'est le truc que je n'apprécie pas sur mon corps, quoi. Voilà un peu. Donc, j'ai même lu quelque part ici, il y a une fille qui disait qu'elle a eu ça. Elle est allée voir un médecin. Le médecin lui a demandé. Ah, il a fait l'examen et il a trouvé un polype. Je ne sais pas ce que c'est qu'un polype, mais je vais faire le recherche. Je vais écrire un polype qui n'était pas. C'est un truc qu'on dit que bénin. C'est bénin. Donc, ce n'est pas grave. Bon, sinon. Pour être bien dans sa tête, elle était obligée de se faire opérer. L'opération n'a même pas duré 10 minutes, voilà. Et maintenant, elle va bien, tout va bien. Voilà un peu. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont même ce problème. Moi, je ne savais pas. Fallait qu'on me pose la question pour comprendre ça, quoi. Sinon, voilà ce que je vous conseille. Si vous êtes vraiment une personne sèche, une femme qui a le col sèche, quoi. Donc, vous prenez 3 gousses d'ail comme ça, là. Moi, j'ai déjà fait ça. 3 gousses d'ail comme ça, que soit vous allez piler, enlever la peau et piler, prendre 2 000 litres d'eau, 2 000 litres d'eau chaude, chauffer l'eau. Vous mettez vous prenez l'ail là, vous mettez dans l'eau chaude là, vous laissez un peu agir pendant 5 minutes. Je ne vous demande pas de bouillir, non. Mettez l'ail dans l'eau chaude. Laissez pendant au moins 5 minutes. Après, vous allez que ça se refroidisse un peu. Faudra vous piger tiède. Prenez un truc comme ça là. Prenez une poire comme ça là. Faites même 3. Si vous pouvez supporter, faites 2 ou 3. Faites ça pendant 4 semaines. Vous allez voir que vous serez vraiment tip top. Tip top. Venez témoigner. Moi-même, je vous dis que j'ai fait ça. Donc, j'approuve ce que je suis en train de vous dire. Ça marche très bien là. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait la vidéo en disant que vous mettez là dans Jessica. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore mis là dans Jessica. Ce que je conseille de vous piger plutôt, ça, c'est mieux que de mettre dans Jessica. C'est encore plus mieux parce que non seulement ça va vous laver, ça lave le ventre. Ça. Vraiment, là est très puissant. Ça lave le ventre. Voilà un peu ma vidéo. Donc, une fois encore, ma chérie, si vous n'avez pas vraiment de soucis pour ça, parle un peu à ton gars. N'aie pas peur. Parle avec lui. Demande-lui d'abord d'aller doucement et voir. Peut-être ça peut être le cas que parce qu'il est un peu brutal, il n'est pas doux avec toi. Ou bien, si ce n'est pas le cas, essaye de voir si ce n'est pas l'infection. Ou bien, peut-être, oui, ou bien parce que ça peut aussi être que le gars frotte. Frotte, parce que tu es vraiment très sensible. Si on sait suffit seulement que la personne frotte comme ça, là, c'est fini. Tu saignes, hein? Tu saignes, c'est vrai ce que j'ai dit. Ou bien, de l'autre conseil, va voir un médecin pour être bien dans ta tête. Le médecin va regarder si ce n'est, il va te conseiller. Je pense bien qu'il va te conseiller quelque chose. Voilà ma vidéo. Vous pouvez vous abonner. Moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.